Dans le même Jésus-Christ, il y a la dimension de l'homme. Parce qu'il est né comme un homme, 100% homme et 100% Dieu. La chair, le sang, il a été crucifié, il est mort. La dimension de l'homme, c'est la compassion. On lui a dit que Lazare est mort, il a pleuré. Il ressentait ce que tous les hommes ressentent, ont ressenti, ressentent. Jésus a ressenti les mêmes choses dans son humanité sur la terre. Donc il y a des dimensions où en Dieu, la révélation de Christ homme doit se manifester. C'est là que tu vois le pasteur pleurer. C'est là que tu vois le pasteur affecté par des sentiments, par des émotions. C'est la dimension de l'homme. Mais c'est une dimension en Christ, c'est pas la chair. Et puis il y a une autre dimension où c'est l'aigle. Si le lion est le roi sur la terre, l'aigle est le roi dans les airs. Voyez, on vous dit simplement, vous avez Jésus dans votre vie. Mais Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est plus d'une centaine de révélations. Ce n'est pas juste 66 révélations. Ça veut dire que vous avez en fait un package en vous, mais qui est censé se révéler conformément aux situations par lesquelles vous passez. Et quand on ne comprend pas ça, on vit notre vie chrétienne en disant simplement, j'ai Jésus-Christ, et on ne sait pas comment activer en Jésus-Christ une nature particulière pour faire face à un problème particulier. Et cela crée beaucoup de frustration dans le cœur des gens. Mais je l'ai, il a tout vaincu, il a tout accompli. Pourquoi je n'arrive pas avec cette situation? Là où vous n'arrivez pas à percer, c'est qu'il y a une ignorance. Et j'aimerais vous dire que dans le monde spirituel, l'ignorance coûte très cher. L'église Ambassade des Miracles organise son temps de jeûne et prière du 1er au 26 février 2023. 26 jours de jeûne et prière, 26 jours d'intimité dans la présence de Dieu, 26 jours pour asseoir la parole de Dieu dans ta vie avec des orateurs de taille, apôtre Henri Bernard de la Côte d'Ivoire, apôtre Yaoudra du Togo, prophète héritier grâce de la RDC, bishop Ouattara Mohamed Idriss, pasteur hôte de la Côte d'Ivoire et un orateur surprise. Thème, délivré de la force, psaume 103 verset 4. Date du 1er au 26 février 2023. Rendez-vous du lundi au vendredi de 18h à 20h30. Dimanche, deux cultes, 7h, 10h et 11h, 14h. Lieu, siège de l'église Ambassade des Miracles. Cocody, deux plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo. 2023, année de la grande victoire. Infoline, plus 225, 07 59 200 200.